Trump serait-il de mèche avec l'astéroïde Titeuf? En effet, des images preuves montreraient qu'il proviendrait d'une autre planète. Il aurait subi des transformations pour se fondre dans la masse humaine sur notre Terre. Lors d'une éclipse solaire, c'est le seul à avoir regardé sans avoir eu besoin de porter des lunettes spéciales. Nous avons donc une preuve supplémentaire. Sa mèche serait là pour communiquer avec l'astéroïde. Il y aurait transmission d'informations avec sa tour, possédant une antenne pour amplifier la communication. D'après nos informations récentes, Trump aurait envoyé une demande à Titeuf pour détruire totalement la Corée du Nord. His Excellency. No one has shown more contempt for other nations and for the well-being of their own people than the depraved regime in North Korea. Avec ces preuves, nous avons la confirmation que grâce à son messager Donald Trump, l'astéroïde Titeuf est en route pour détruire la Corée du Nord.